que l'Isaïe, ancien coach de Marseille, console. Attention avec ce centre et la tête de Lambe. Non, c'est finalement c'est Blanc d'une reprise de volée qui met ce ballon à côté du but d'Axel Maraval. C'est le premier frisson dans les travées du stade de l'épopée. Baba Touré là, qui reste aux avant-postes, qui peut servir. Bilal Hamzaoui qui va une nouvelle fois centrer, une nouvelle fois un superbe centre. Oh. Et une tête de Kevin Nzouzimata qui passe au-dessus du but d'Alexis Sauval. Thiam face à Pagerie, Thiam qui poursuit son effort, qui va pouvoir centrer. Il va centrer en deux fois et la tête de Kevin Nzouzimata. Ah, ce ballon, comment a-t-il pu le mettre au-dessus de la cage d'Alexis Sauvage? Kevin Nzouzimata qui va s'approcher du but. Idrissa Ba, la frappe sur la transversale. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe et quelle inspiration là! Idrissa Ba. Le corner, ça rentrant. Et Alexis Sauvage qui peut sortir, attention avec cette frappe lointaine de la part de voisins. Et d'accord encore qui vont assister. Nzouzimata là qui récupère ce ballon. Nzouzimata qui va rentrer et qui va servir. Bien Hamzaoui dont la tête est beaucoup trop décroisée, beaucoup trop croisée plutôt. Oh, et cette tête qui passe largement à côté du but. Et monsieur l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 0 à 0. Nzouzimata, Nzouzimata face à Gonzalez, Nzouzimata qui est en dehors de la surface. Dimitri Boulot qui passe au fond. Le score. Le but de Dimitri Boudot après 58 minutes de jeu ici. Dunkerque 1, Villefranche 0. Allez, l'ouverture du score par Dimitri Boudot va peut-être changer les choses. Idrissa Ba. Oh, tout de suite, hein, tout de suite, une deuxième alerte sur le but d'Alexis Sauvage. Adil Lebrun là sur le côté droit, est-ce qu'il va pouvoir trouver une solution ou frapper directement? Il se met en position là du pied gauche. Adil Lebrun, il envoie le ballon à côté du but. On est reparti avec Labo. Labo sur le côté gauche avec Pagerie. Pagerie qui rentre dans la surface. C'est Bénédic et ça sera un pénalty. Maxime Jas face à Axel Maraval. C'est parti. Le pied gauche. Et l'égalisation. L'égalisation ici avec Maxime Jas. Un but partout sur ce pénalty. Dimitri Boudot, il y a une solution sur le côté droit finalement. Il sert Guirassy, côté gauche. Guirassy qui peut frapper directement dans les bras d'Alexis Sauval. Mehdi Chahiri pour attention. Et une nouvelle fois Alexis Sauvage qui réussit une grande chose face à Mamadou Guirassy.